Yo les amis, c'est Fred, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Bleak. Alors, le concept de ce jeu, il est très simple. J'aurais besoin d'un pistolet. Voilà, je vais avoir un pistolet. Ouais, bon, c'est un disque dur, mais faites genre que c'est un pistolet, ok? Donc je vais avoir un pistolet dans ce jeu-là, et il y aura des sortes de miroirs. Donc là, c'est mon téléphone. Ouais, on fait avec les moyens du bord, hein. Alors, tu prends ce pistolet-là, tu tires dessus, bim, 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 il y a une balle qui rebondit, tac, tac, tac. Et quoi? Ça fait quoi? Et bah, ça t'ouvre une porte. La porte divine qui va me permettre de pouvoir avancer dans le jeu. Il y aura plusieurs niveaux, ça va se compliquer. Mais donc voilà, en gros, le principe, c'est ça. Tu dois tirer sur des machins, il y aura des rebonds à faire, il va falloir réfléchir un petit peu. Donc, je vais être très concentré dans cette vidéo. Et sinon, bah, j'espère que vous êtes prêts. Si oui, on peut y aller. On balance l'intro, c'est parti! Donc nous voilà les amis à l'écran d'accueil, new game, option exit, bien évidemment on va faire new game. Do you want to start a new game? Bien sûr. Now, three, nous allons commencer. 3, 2, 1, allume la lumière. Oh, pourquoi est-ce que ça ne s'allume pas? Réessaye. 3, 2, 1. Ah, la bonne petite welcome lumière des familles qui fait bien plaisir. Welcome, bienvenue à l'académie. Tu vas pouvoir y étudier et tu vas devenir un spécialiste. Corporation autour du monde, nous combattons pour toi. Bon, après ces explications bien longues et chiantes, j'ai décidé directement de skipper ce qu'il disait. De 1, je comprends rien, et de 2, bah, il est ultra relou. Bref, nous voilà dans la pièce de départ avec ici une petite arme. Je peux directement la prendre, mais c'est pas possible. Mais arrête pas de parler, y a pas moyen de désactiver ce fameux tutoriel. Ça me rend fou, c'est pas possible. Et voilà, ici c'est des sortes de miroirs, hein, notamment le téléphone que j'utilisais pour l'intro. Et hop, tu vois, tu peux. Comment on fait pour tirer? Hop, hop, hop. Ok, c'est bon, j'ai trouvé LB. LB, c'est pas commun. Yes, c'est ça. Je dois aller devant la. Oh, c'est beau en vrai. Et le jeu est plutôt bien fait. Donc ça m'ouvre mes portes. Enfin, des portes, mes portes, genre elles sont à moi, tu vois, elles m'appartiennent, c'est mes portes. Oh, le mec, ça j'aime beaucoup trop. Bref, à chaque fois il fait des explications. J'avais regardé un petit trailer. Et en gros, ici, tu vois, comme l'image l'indique, je vais devoir faire un rebond en fait avec ma balle. Donc, par exemple, ah, bah voilà, one shot, parfait, je parle pas du jeu. Hop, j'ouvre la porte ici. Donc, on a atteint le troisième niveau maintenant. Ah, ça a commencé à se compliquer. Alors, pour les premières salles, j'avais vu dans le trailer. Enfin, c'est pas vraiment un trailer, mais bref. Mais ici, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Le mec parle tout le temps, c'est affreux. Enfin, c'est chiant. Arrête gros. Si je fais ça, ça rebondit où? C'est parfait, ça m'a débloqué en fait une plateforme. Ça m'a mis une plateforme, je peux sauter dessus et pouvoir maintenant passer ici. Voilà, et est-ce que... Bah nickel. Les trois premiers niveaux pour l'instant easy. J'ai apprécié que c'est une démo, donc je sais pas du tout la durée du jeu. Il y a une vitre qui bloque. Attention, attention, mon cerveau il chauffe là de plus en plus. Et boum, derrière il a explosé. Je suis désolé les amis, mais trop de concentration tue la concentration. Je pense que je vais devoir en fait tirer là-dessus les amis. Comme ça. Hop. Oh magnifique, mais j'aurais dû faire du ping-pong en vrai. J'aurais dû faire du ping-pong tellement je suis doué en fait pour les rebonds, etc, etc. Hop, les rebonds c'est ma passion. Là nous avons plusieurs plateformes. 1, 2 et 3, même 4 en fait. Donc si je fais ça, hop, ça rebondit pas. Si je fais ça, ça rebondit pas. Donc c'est forcément ici. Oh, oh c'est bon, attends. Je vais voir la porte, c'était aussi simple que ça. Sérieusement? C'était donc des leurres. Les autres plateformes, c'était des fameux leurres. Mais c'est super facile. Le niveau 5 était vachement plus facile que limite les niveaux précédents. Alors celle-ci, c'est mon numéro pour bonheur. Je pense que je vais pas trop galérer sur cette salle-là. Ça rebondit ou pas? Oui, mais je suis pas sûr qu'il faut commencer par là. Ah, je pense que je dois faire d'abord le bleu, puis ça va sur le rouge. Non, le rouge peut-être. Ok, en fait, c'est pas si simple que ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, j'ai tiré comme ça au pif et j'ai ouvert la porte, voilà. Alors que j'ai même pas spammé, j'ai juste envoyé une balle comme ça, en mode balistique et ça passe, hein, comme on dit, ça passe. Alors, salle 7, on avance plutôt bien, je trouve. Écoutez-moi cette belle musique, très relaxante, très douce. Ça me donne clairement envie de... Bah, de jouer. Allez, hop, c'est parti. Hop, let's go. On spam. Non, c'est pas ça. Ça rebondit pas, donc c'est forcément ici. Ah, là, ça rebondit, là, tu vois. Là, je vais pouvoir spammer. Ah, il faut que je fasse au bon endroit. Ça rebondit pas partout, en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? A few minutes later. Je suis sûr qu'il faut toucher la blanche, puis ça... Oui, j'ai réussi, les amis. J'ai réussi, ça fait plaisir. Du coup, la salle 7 est enfin passée. Je vais pouvoir passer à la salle numéro 8. Je pense qu'à mon avis, il y aura 10 salles pour cette démo. Ok, 8e salle. Nous avons plusieurs miroirs dorés. Un rouge, un bleu ici. Encore un doré là. Alors, je peux pas en fait faire rebondir des balles sur le bleu.
Donc je pense que je vais éliminer ce miroir là. Je vais devoir plutôt utiliser ce miroir là qui va rebondir sur le miroir rouge qui va rebondir ici. Ouais, ça doit être ça. Vous êtes prêts les amis? On tente? C'est parti. Oh, oh là là, c'était beau ça. Et comme ça c'était le dernier miroir, bah, je pouvais pas faire rebondir des balles dessus. Il fallait faire d'abord tout le chemin en fait. Magnifique. Du coup salle numéro 9. Dehors, some platform can be moving use terminal. Ok, donc c'est possiblement le dernier niveau, si j'ai bien compris. Ici, nous avons une porte, mais nous avons à disposition un miroir et une manette ici. Attends, hop. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je vais pouvoir déplacer le miroir? Manipulate. Ah ouais, ouais, ouais. Je peux en fait déplacer le miroir. Je vais le mettre au bout. J'imagine que c'est au bout que je dois le mettre. Ok, parfait. Et là, si je fais ça, tout bêtement. Non, il y a un truc qui bloque. Donc, si je fais rebondir là-dessus... Ouais, c'est bon. Ok, la porte est ouverte, pas trop compliqué. Fallait juste diriger la plateforme. Dixième salle, ok. Pour l'instant il est content le gars, on fait bien nos bails. Miroir là, miroir là. Hop, si je fais ça, non c'est pas ça. Ça va certainement être le dernier miroir ça. Hop, ah, on y était presque. Fais ça à droite, ok c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, il y a une télécommande. Parce que je vais pouvoir déplacer en fait l'un des miroirs. Ah c'est celui là. D'accord, j'ai compris, alors hop. Non, j'ai mal visé. Que je l'aurais mal déplacé. Je pense que je l'ai mal déplacé. Je vais vite le redéplacer, vite fait, bien fait. Hop. Ah, c'était beaucoup plus simple. Regardez, il y a la trajectoire. Mais voilà, même le jeu nous aide. C'est juste moi qui suis trop con, en fait, tout simplement. Mais là, ça va être easy maintenant. On fait ça. Hop. Easy. Hop. Easy. Hop. Et bah voilà, la porte est ouverte. Open the door. Et là, est-ce que j'ai enfin terminé le jeu? Eh bah yes, will be available on Steam en février, le 6 février 2018. Eh bah le jeu était très 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 sympa, ça va, je l'ai torché en 15 minutes de rec. Il faut juste réfléchir un petit peu, mais honnêtement là ça va, tu vois, il faut pas vraiment réfléchir des masses. Le jeu est très accessible pour l'instant, mais je suppose que quand le jeu sera en version finale, il y aura vraiment des niveaux de psychopathe. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé ce jeu là. Moi personnellement je l'ai kiffé. Si vous avez kiffé, eh ben, n'hésitez pas à lâcher un petit like qui va rebondir sur ma main et qui va revenir sur mon autre main. Et bien évidemment me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sinon, bah, mis à part ça, je vais pas vous retenir plus longtemps. C'était bien évidemment votre Ictos pour vous servir. Je vous dis prêt à soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.